Je suis Fabio Porliot, j'ai 35 ans et je suis styliste. Moi, je m'appelle Hervé Domenighini. Mon activité depuis 2006, c'est Skinal. Mi chiamo Fabrizio Bic. Per colpa di un incidente stradale, sono rimasto paraplegico. Je m'appelle Jacopo Montegrandi. Je suis volontaire auprès du Chenil du Val d'Aoste. Je suis Fabio Porliot, j'ai 35 ans et je suis styliste. C'est une passion que j'ai depuis quand j'étais petit, car mes grands-parents et mes arrière-grands-parents aussi étaient des couturiers. Ils avaient un atelier de mode à Paris, déjà dans les années 60. Et donc c'est une passion que j'ai depuis quand j'étais petit. Je suis en train de dessiner une robe que je vendrai dans ma boutique. C'est une robe pour le printemps, donc avant tout je dois dessiner. Une fois que ça c'est terminé, je dois aller faire le patronage. Et une fois que j'ai fait le patronage, je vais couper la robe. D'abord un essayage, on va faire un essayage. Et après on va faire la robe dans le tissu beau. Donc ici, on commence à tracer la base pour la jupe. Alors ici, j'ai pris du tissu pour faire l'essayage sur un mannequin. Une fois qu'on a positionné le tissu, on va positionner le patronage qu'on a préparé avant. Voilà. Voilà. Les habits, tu vas l'essayer, après je te le ferme moi sur le dos. Merci. Viens là. Merci. Alors maintenant, on va fermer l'essayage avec les épingles. Je crois que oui. Maintenant, on va terminer de le fermer, mais je crois que oui, parce que les côtés ici, le bassin, ça va. Je crois qu'on n'a même pas trop de retouches à faire. Encore, on va la voir au miroir. Comme ça, tu me dis si ça te gêne ou pas. Je crois qu'on pourrait le relargir un tout petit peu sur le sein. Je ne sais pas si il est en train... Oui, il doit être un peu plus doux ici, donc pas trop tiré. Ici, à la taille aussi, parfait, oui. Seulement un petit peu ici. Oui. Alors. Mais c'est parfait. Le col aussi. Mm-hmm. La manche, ça ne te gêne pas, ça va? Non, oui. Ok. Alors, on va relargir seulement un tout petit peu ici. On va mettre un peu d'aisance. Plus 0,5, voilà. Et là aussi. Ici. Ça ne te gêne pas ici, non? Oui. Ça va? Oui. Ok. Parfait. Ici, on a commencé à positionner le patronage, étant donné que comme taille, elle était parfaite. On a modifié à peine sur le dos où il tirait un peu sur le sein, voilà. Et maintenant, on va positionner ça et on coupe le tissu, le bout du tissu avec la doublure. Maintenant, on prend tous les morceaux qu'on a coupés et on va coudre. Ici, on a terminé la robe, donc on l'a toute doublée, on a mis l'étiquette, on a mis tous les bords ici, voilà. Et ça, c'est le résultat de la robe. On a mis une petite ceinture, voilà. Et maintenant, on va l'essayer sur le mannequin. Voilà.
C'est parfait ici. C'est parfait maintenant, oui. Un peu plus large. Oui. Voilà. La jupe aussi, ça va? Ok. J'adore. Ça te plaît? Oui, j'adore le contraste, les tatouages. Avec... Ouais, c'est très élégant, oui. Un petit truc que je voulais essayer de faire. J'aurais voulu mettre des boutons comme accessoire ici. Et agréable comme tissu. Ça donne un truc en plus à la robe, je crois. Qu'est-ce que tu penses? Je crois que c'est pas mal. Si tu as envie d'essayer de marcher, on va voir. Devenir créateur de mode, le faire comme travail, voilà, c'est pas facile. On doit être très déterminé, ça c'est sûr. On doit croire en ce qu'on fait. Et on doit même rêver. Parce que si tu ne rêves pas, tu n'arrives pas aucune part, je crois. Donc on doit rêver avec, en restant avec les pieds par terre.